sports. It's in the game. Salut à tous, c'est Letko. Donc, comme je vous l'avais dit hier, vidéo bonus avec un invité spécial, bah, qui est mon frère, je vous le présente, Marzini. Salut à tous. Donc là, on va faire quelques matchs de FIFA 12 en duo, enfin, contre un joueur et non contre l'ordinateur, contre l'IA. Donc on va mettre, bon, bah, expérimenter, hein. Ouais, vas-y. Ma configuration, j'ai mis. Je vais le faire. Parce que j'ai l'habitude. Vas-y, fais-le. Donc, on a notre propre configuration, hein, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, ouais, on prend Barcelone, on s'en fout. Voilà, là, on est obligé d'aller dans le didacticiel, mais on le quitte tout de suite. Voilà. J'ai geste mon frère, enfin, bah ouais. Vas-y. D'accord, bah c'est parti, on rounait. Match amical. Ouais, ça on s'en fout, comme d'habitude, voilà. Voilà. On va prendre Barcelone, bon mon frère est un grand supporter du Milan AC, hein. Voilà. Mais toi on m'avait bloqué comme celui qui s'est mis aujourd'hui. Donc là, il va rendre les paramètres de jeu. On va changer la caméra parce que bon, il m'a dit qu'il y a une caméra qui était plutôt pas mal. Qui était mieux, ouais. Bon, j'enlève Alex Sanchez, je vais mettre Pedro. Voilà. Attendez. Oh, vas-y, je laisse Alexis Sanchez. Ouais. T'as vu, Théo, ils l'ont mis à la gauche. Hein. Grave, titulaire direct. Numéro 2 ? Numéro 2 en plus. En plus. N'importe quoi. J'ai horreur des arrières latéraux. Numéro 2. Donc, à part ça, Marzini, c'est quoi les nouveautés de ce jeu que t'as pu souligner ? Alors, déjà, comme tu m'as expliqué hier au téléphone. Déjà, j'ai l'impression que c'est FIFA 11, mais en mieux. Un FIFA 11 2.0, quoi. Ouais, mais en, franchement, 2-3 fois mieux. Il n'y a rien à dire. C'est quoi qui t'a plu dans ce nouveau jeu, dans cette démo? Bah, faut dire la vérité, les joueurs bougent mieux, le jeu il est plus rapide. L'animation, elle est mieux. Là. Et en plus, là, on peut configurer la vitesse du jeu. Il y a lente, normale ou rapide. Ouais. Ça, c'est pas mal. Comme ça, si on trouve que... Attends, je suis en joystick, là. Ah ouais, parce que toi, tu t'es pas réglé. Alors, tu vas dans paramètres, vas-y. Paramètres, quoi? Tu vas dans... Rond. Voilà, sans fil. Non, sans fil. Ah oui, sans fil, j'avais pas vu, ouais, excuse-moi. Absor R1. R1. Ah là tu changes avec les flèches, tu mets perso or. Voilà, perso or. Retour. Voilà. Voilà, et là c'est bon normalement. Ah ouais, c'est bon maintenant. Merci. Donc ouais, tu me disais ouais, l'animation elle est beaucoup mieux quoi. Ouais, l'animation des joueurs, le positionnement. Ouais, ils respectent leur tactique. Tactiquement, ils respectent, je trouve. Hein. Voilà. Il faut dire la vérité aussi. Ils respectent leur position. Il faut dire aussi que les défenses ils sont plus forts. Ouais. Attention, Villa! Je dis ça, mais... J'ai failli tirer là avec David Villa là. Donc, et à part ça, qu'est-ce que tu as trouvé de mieux? Les maillots, ils sont mieux faits, les joueurs. Ouais, j'ai trouvé quelques joueurs superbement bien faits. Hein. Ils ont fait un effort sur. Surtout Boateng, c'est le joueur. Bah, en fait, Boateng, ils ont refait ses tatouages. Il avait pas sa tête. Il n'avait pas sa tête dans FIFA 11. Ah mais bon, quand tu joues dans un grand club, hein, ils sont obligés de te faire ta tête à un moment ou à un autre. Ouais, mais il y a des joueurs comme Abate, ils ont toujours pas leur tête. Ah mais bon, Abate, c'est pas un grand joueur international. Tu vois ce que je veux dire qu'il y a... Ouais, Boateng aussi. Hein. Boateng, il a beaucoup joué cette saison. Il a du charisme, on va dire. On va dire ça, ouais. Et surtout... pratiquement titulaire et dans un poste assez difficile qui est le milieu de terrain offensif. Donc vous avez pu voir le petit coup de rein qui m'a mis mon frère là, c'est avec le stick droit, un petit coup vers l'avant et votre joueur pousse le ballon un peu plus loin. Bon, il faut pas tout le temps le faire parce qu'à un moment ou à un autre on peut pousser le ballon trop fort. Donc voilà. Alors, vous pouvez aussi remarquer quelque chose de très nouveau.
C'est-à-dire qu'il suffit pas d'appuyer sur X pour récupérer la balle, ça c'est fini. Maintenant, quand on appuie sur X, il fait pression sur le joueur, mais il ne fait pas de tacle. Ouais, pour il faire faut... ce petit tacle, il faut appuyer sur le rond. Et les tacles anciens, c'est-à-dire les vrais tacles glissiers, ça c'est avec le carré. Donc même la ou touche, le carré ou n'importe quelle touche, enfin c'est selon la configuration de chacun, mais c'est vrai que par défaut c'est le carré, ouais. Voilà, donc touche nouvelle on va dire, parce que normalement c'est le rond pour faire les grands tacs comme ça là. Ouais. Voilà, je vais refaire là comme ça, voilà. Donc voilà, ça c'est le carré. Et puis on peut noter aussi dans ce jeu une nouvelle nouveauté, c'est-à-dire une touche pour tirer les maillots. Maintenant on peut tirer les maillots en appuyant tout simplement sur rond. Oh, peut-être fait marquer là. Lorsqu'un joueur part tout seul, on appuie sur rond, ça fait pas de tacle, ça tire le maillot. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà la petite nouveauté. Une petite astuce, ouais. Y avait pas de tirage de maillot avant dans PS 2000, dans FIFA 2011. Franchement, peut-être, mais peut-être que c'était aussi l'ordinateur, enfin la Play qui gérait tout ça. Ouais, donc maintenant c'est à nous de gérer le bon moment pour intercepter les ballons. Mais des fois l'ordinateur il intercepte tout seul. Hein. Par exemple là, Sergio Busquets, j'ai pas appuyé sur le bouton interception. Bah là, c'est pareil avec Sidor. Voilà, des fois l'ordinateur, enfin l'IA donne un petit coup de main. Ouais. Voilà. Quand on reste appuyé sur X des fois, mais c'est préférable d'avoir le, mais surtout il faut avoir un bon timing, un excellent timing pour intercepter bien. Donc là c'est la plus grosse occasion du match, hein. Donc 59-41 de position de balle. Il faut remarquer aussi qu'on s'observe au début, donc pas évident pour le match. Ouais, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer, on a que 3 minutes par mi-temps, ça fait 6 minutes. Donc ce qui est bien, on peut recommencer un match très rapidement, hein, comme vous avez pu voir dans ma première vidéo. Et surtout il n'y a pas la première bande annonce qu'on est obligé de se taper. Attention avec ce centre. Mais non, Ibrahimovic est trop court. C'est vrai qu'il y a la démo de PES qui était assez relou avec ça, avec la bande annonce à se taper à chaque fois là. Alors, encore là, ils ont amélioré parce que l'année dernière, on était obligé de se taper à chaque fin de match. Ça c'était relou ça. Et donc maintenant ça c'est fini. Essayer de faire voilà. Ça aussi le goal qui anticipe largement avant. Le fait de sortir comme ça, ça c'est une nouveauté. Ouais. Non mais c'est un jeu le 29 septembre, hein. Tout le monde a pris rendez-vous, moi je vous le dis. Bon sur Paris sur le boulevard Voltaire, vous l'aurez 3-4 jours avant. Donc ouais, c'est un il faut essayer les petits Micromania, des petits centres commerciaux, des fois ils l'ont aussi un petit peu avant. Des fois ouais. Sinon vous avez une promo aussi chez Carrefour. Pour la réservation du jeu, vous avez une manette. Sinon, vous avez chez Cora à 55€ avec la carte malin. Ah putain. Voilà tous les bons plans pour avoir FIFA. Ou sinon, il y a un site que j'ai découvert, il s'appelle Joueur Hamster ou un truc comme ça. Il vous donne tout plein de bons plans pour avoir des jeux pas très chers et des bonnes offres. Là, j'ai vu une offre pour PES 2012 en Angleterre, mais par contre, on sait pas la langue définitive du jeu. Je sais pas si ça sera en française ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on prend deux t-shirts plus le jeu, ça vous revient à 44€. C'est une plutôt bonne affaire. Le jeu plus deux t-shirts, 44€, plus des t-shirts qui sont pas très moches. Donc voilà par exemple pour attention Messi. Par contre les frappes elles sont mieux, hein. Elles sont beaucoup mieux, ouais. Travaillées, elles sont plus tendues. Voilà, une des nouveautés encore que j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est les frappes. Ils sont beaucoup plus réalistes, ouais. Et les passes surtout. Et dis-moi, moi j'ai vu un truc hier, je sais pas si tu l'as vu. Dans les options, tu peux choisir la tension des filets. Si tu veux voir si tu as des filets peux, plus tendus ou moins tendus, plus souples. Tu peux même changer la. Bah les filets carrément. Enfin, les filets, voilà. Le style. Le style de filet. Un peu portugais, long là. Ouais. Le style brésilien avec des filets courts, on va dire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai fait un tac de merde là. Attention. Pato. Et non. Oh là là. Corner. Non. Sortie de but. Par contre, là, l'arbitre est un peu sévère. Tout à l'heure, j'ai fait une super intervention debout. Un tacle debout, ça veut dire que j'ai pas taclé méchamment. Il donne penalty, donc j'ai pas trop aimé tout à l'heure. Donc voilà. Bah là, par exemple, Daniel Vest, là, il vient de tendre la jambe. C'est moi qui a appuyé sur le rond pour tendre la jambe. Ça, c'est pas mal ça. Maintenant, c'est à nous de gérer ça. C'est pas mal. Mais ce qu'il faut que tu te dises aussi, c'est que c'est une démo et que ça, ouais. C'est à peu près 75% du jeu. Attention, avec Ibrahimovic, la frappe, non. Du gauche qui.
En tout cas, pour une démo, elle est excellente, hein. Il y a beaucoup de clubs. Le stade est magnifique. En plus, c'est un stade nouveau, je crois, Barzini. C'est ça. C'est le stade de Manchester City, je crois, qui est tout nouveau. C'est ça. C'est le Donc c'est Etihad Stadium. Ouais. C'est le nouveau stade de Manchester City. C'est le sponsor. On a décidé de mettre en avant Manchester City. On l'a vu via les vidéos de présentation du maillot de Manchester City. Ouais, mais je pense aussi parce que bon, parce qu'ils ont fait des gros recrutements assez assez faramineux, hein, assez importants dans le marché des transferts. Donc là, ça va être les penalties. Donc il y a eu 0-0. Donc comme je vous ai dit, hein, faut mettre le petit curseur dans la zone verte et appuyer sur une direction pas trop longtemps, sinon la balle elle sort. Donc c'est parti, je me concentre. Alors un système qui change pas. Ouais, oh, j'ai eu de la chance. Que des autres FIFA. Ouais, c'est vrai. C'est toujours le même système avec le stick droit pour gauler. Choisis sa direction. On cache les manettes. Voilà, là je peux rater ma frappe, je suis sûr. Et voilà. Ah. Il a raté sa frappe. Avant les pénalités étaient assez faciles à tirer, maintenant faut un peu de concentration. Hein. Voilà, dans le vert, on reste appuyé sur un côté. Oh là là, j'ai eu beaucoup de chance là encore. Plus de chance que hier. Oh putain, j'ai failli l'avoir. Là aussi, beaucoup de chance. Bon, que tous les transferts ne sont pas encore faits. Hein. Tous les transferts ne sont pas tous encore faits là. Fabricas il est pas encore là. Nocheino, ouais. Aquilani. Voilà, ils sont toujours pas encore au Milan AC. Ah, bien joué, contre-pé parfait. Bon, il en manque quelques-uns. Ouais, mais bon, ne vous inquiétez pas, la version finale, tout le monde sera là dans son club respectif. Plus, FIFA, ils ont la magie de sortir des mises à jour tout de suite dès que tu l'achètes le jeu. Ouais, non, ils sont assez sérieux pour ça. Tout ce qui est mise à jour, transfert, ils sont assez sérieux. Pas comme PES, des fois, qui manque quelques transferts. Et ils sont pas assez régulés dans leur mise à jour. Oh putain, bien joué le contre-pied. Donc après, on va faire un deuxième match. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Une petite vidéo bonus hein, pour vous qui me suivez. Voilà, bien tiré ça. Ouais, victoire pour le premier match. Pour ah, victoire oh, je te jure, j'ai même pas fait attention du score des tirs au but. Donc là, on va regarder vite fait. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de grosses occasions. Hein. Donc voilà, le penalty raté de Ibrahimovic. Donc, ce qui est bien, t'as vu, il y a, il y a la photo. Ouais, on va remettre ça. Alors, c'est dans fait match. Non. C'est dans les notes peut-être. Note de joueur, voilà. Voilà, note de joueur, comme voilà. Marquer la photo des joueurs. Mm. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, la photo des joueurs du Milan AC. Cassano n'a pas sa photo avec le Milan, il a le maillot avec l'équipe d'Italie. Voilà. Et Théo avec l'équipe du Nigeria. Ouais. Oh, c'est des petits détails, après, on va pas être perfectionniste non plus. Et Van Bommel, je crois qu'il a le maillot du Bayern. Ouais. Ah, je pense aussi, ouais. Ils n'ont pas eu le temps. On refait le même match Non, on va changer d'équipe quand même. Ouais, on va changer d'équipe. Retourne dans l'arène. Ça, par contre, faut retourner dans l'arène. Mais bon, c'est pas grave. On va repartir match amical. Voilà, on est obligé de te taper. C'est deux. Trois panneaux. C'est deux, trois panneaux, ouais, comme tu dis si bien. Donc, je vais me prendre Dortmund. On va prendre Manchester City. Voilà. On va se laisser en bleu ciel, voilà. Voilà, gestion d'équipe. Alors, moi aussi, j'ai changé. Pour ceux qui veulent voir ce que ça va donner, les nouvelles notes des nouveaux joueurs, par exemple, on peut noter Ibrahimovic 89, Messi, je sais pas, il a combien? Il a 96, je crois. 96 Voilà, ça rigole pas. Godze 83, il avait 70, je crois, dans le FIFA 11. Ouais. Avec la mise à jour, il avait 75, je crois. Donc la 83. 78 comme ça. Hummels 84 et puis Barrios, Lucas Barrios 83, Kagawa 81. Puis on va regarder un petit peu le banc comme ça avec Blaziszkowski 77 qu'on va mettre tout de suite sur le terrain à la place de Gundogan. J'ai eu un petit peu de mal. C'est quoi t'as dit quoi? Gundogan c'est qui ça? Gundogan je l'ai enlevé. Ah c'est un oui. C'est un joueur, d'accord. Dortmund. Ok. Voilà, Agüero 86. Ouais. Nasri 86 aussi. Non, mais Nasri, il est encore à Arsenal. Il est encore à Arsenal avec Fabricas. Arsenal, ouais. Ouais. C'est Arsenal, j'avais vu. Avec Fabricas. Et Agüero, si on le met en poste de milieu gauche, milieu offensif gauche, il a 89.
Ça aussi, ça Ah change ouais? un peu comme dans. Attends, là il a 86 en En pointe pointe, ouais. et à gauche À il gauche, a. il a 88, 89, un truc comme ça. Putain. Bon Voilà. allez, c'est parti pour le match. Donc là, Voilà, bon. on va juste laisser ça. Ça c'est nouveau par contre. Ouais, les Voilà, petites. grosse présentation là. Voilà, une petite Alors, ils vous présentation font rapide. voir par exemple Yaya Touré en train de faire des dribbles. Alors, je sais pas comment ils peuvent s'imaginer ce genre de choses. Voilà, donc magnifique stade avec. Bien modélisé, franchement. Rien à Non, dire. ils l'ont grave amélioré, FIFA. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et là, on est vraiment ultra satisfait. Ouais. C'est l'une des rares fois où je dis que vraiment FIFA a Bah vraiment. franchement, avant, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Avant, on n'aurait jamais cru que, bah, que PES allait se faire manger par FIFA. Ah ouais. Mais bon, je vais vous faire quand même la vidéo de PES. Je vais vous le présenter quand même parce que Ça tout à l'heure. c'est pas un si mauvais jeu, hein. Donc là, d'après, je sais pas, peut-être toi, t'as peut-être, comment dire, vu les détails de la prochaine démo. Apparemment, ils ont amélioré les gardiens de but. Apparemment, ils nous ont promis promis les gardiens de but, l'intelligence artificielle défensive et d'autres nouveautés Alors encore. encore hier, Donc là, j'ai retesté la première démo de PES. Moi, je dis que déjà, si ils pourraient améliorer les tactiquement, moi, c'est surtout le positionnement des joueurs qui me dérange. Il y a trop d'espace dans les ailes, là, dans PES, enfin, dans FIFA. Les joueurs respectent vraiment leur positionnement. Moi, j'aimerais bien qu'ils améliorent leur frappe dans PES. Les Ouais. frappes, elles sont vraiment pas réalistes du tout. Tu trouves que la balle a le faute, quoi, c'est ça que tu veux Ah dire. ouais, elle est très légère et la balle, on la sent pas, voilà, tout simplement. Alors peut-être que c'est qu'une démo, hein. On m'a Ouais. dit 25% du jeu à peu près. Là, 25%? 25% du jeu, ça n'a rien à Oh voir avec c'est ce qu'on m'a dit, avec le jeu final. Et là, FIFA, c'est combien? C'est 75, je crois. 75% du jeu, voilà, 80, 75, on n'est pas. Mais bon, je pense pas que, franchement, que le gameplay va beaucoup évoluer. Hein. Moi, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais. Normalement, là, je devais l'intercepter, là. Oh putain. Voilà la frappe que je vous disais. Belle frappe, hein, franchement assez réaliste, hein, avec une assez tendue. Voilà, c'est Ah ces putain. petits détails qui changent. Franchement, vous avez pu voir l'animation de la Balotelli sur son contrôle. Assez réaliste, hein. Moi j'aime bien, franchement, même le système de collision, je sais pas si t'as vu, mais il paraît, je sais pas, moi j'avais lu cette information, c'est que quand un joueur se blesse, tu verras que dans la cinématique, il va se tenir la jambe où il s'est blessé. Exactement. Et même peut-être même l'endroit. Mais fini les bras qui passent à travers les tibias ou les trucs comme Ouais, ça. les bugs de collision, il paraît que ça a été beaucoup travaillé et grandement amélioré, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est assez réaliste, hein. C'est franchement c'est un bon point pour FIFA et pour EA Sports qui travaille à arrache-pied. Franchement moi je sais pas ce que t'en penses toi, mais franchement FIFA quand on joue à leur jeu, on a l'impression qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont beaucoup travaillé quoi. C'est pas du travail bâclé, C'est vrai. c'est un jeu complet quoi. Quand on voit les NBA Live, les jeux sont magnifiquement faits. Ouais, Alors, comme on se posait la question, comment ça se fait que c'est bah, des jeux de. FIFA, c'était la seule série qui manquait au tableau de chasse de EA Sport quoi. Parce que Ouais. leur jeu était pas mal sur pour NBA, pour NHL, pour le jeu là de football américain là. C'était le seul jeu FIFA qu'ils n'avaient pas amélioré, putain. Oh là 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 là. Assez brouillon des fois. Ouais, il serait temps de se créer des grosses occasions et de se faire des gros matchs. Ah bah c'est un jeu maintenant qui est devenu très réaliste, hein. Est devenu très réaliste Alors, comme dans avant. la réalité, c'est très dur d'aller chercher la balle à l'adversaire. Et d'un autre côté, c'est très dur aussi d'aller marquer. Surtout quand on vient de découvrir le jeu comme là. Ouais, c'est vrai que quand on découvre. En fait, c'est comme vous expliquiez, hein, lors de ma première vidéo,
Quand on joue un nouveau jeu de foot, il y a vraiment une adaptation à avoir. Attention, Kun Agüero. Donc on a la pression de toujours. Oh, bien joué ça. Il faut tout réapprendre. C'est comme tous les PES, il faut tout réapprendre. C'est l'intérêt aussi d'acheter un nouveau jeu. Ouais, c'est bien. Hein. Même, mais un petit peu mieux, ça sert à rien. Si c'est pour avoir quelques mises à jour d'effectifs, attention! Attention à la belle tête de Kun Agüero. Première occasion. Bon, pas très dangereuse, parce que bon, vu que la tête était pas assez puissante. Oh putain, je rate une passe assez facile là. Ah, les matchs durent très très long, enfin sont très rapides, hein. On n'a pas le temps de poser le jeu. Là, c'est moi qui viens de faire l'intervention là. C'est pas l'ordinateur qui m'a aidé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour les grands amateurs de FIFA, il y a quand même certaines choses qui changent. Notamment au niveau des centres, le bug des centres ne marchera plus normalement. Ouais, les 5 télécommandés là. Voilà, d'aller s'isoler sur le côté absolument, comme j'ai pu voir en live. Et surtout, d'aller... Alors maintenant, ça pourrait marcher, mais normalement, ça a été corrigé pour que ce shit-là n'existe plus. Et là, Manchester City, qui comme, comme la réalité, et ben, est très robuste derrière. Il faut jouer vite, très vite, pour pouvoir... les passer. Une fois qu'on est au contact avec eux, ça semble assez difficile, mais bon, les Allemands derrière, ouais, aussi c'est du solide. Voilà, fin du match, 0-0, désolé hein, si on n'arrive pas à marquer, mais bon, ça va venir, ça va venir. On fera un dernier match encore et après on s'arrêtera là pour ce vidéo bonus. Putain, et pourtant j'ai appuyé bien sur la droite hein. Peut-être faut rester bien bien appuyé, mais vraiment c'est un jeu assez précis. Attention avec Barrios. Contre-pied parfait. Barrios en dessous de la barre. Sans problème. Carlos Tevez. Et l'un des gros points de ce jeu, c'est bon bien sûr, c'est les licences hein, qui sont assez complètes. Hein. Alors ce qui manque bien sûr, c'est l'UEFA Champions League, la Coupe de l'UEFA. Et aussi bah, les licences officielles des compétitions, ouais. Magnifique. Aussi les sélections nationales qui sont pas mises. Enfin, ouais, il y a certaines sélections qui n'ont pas leur maillot. Alors, je sais pas si le Brésil ils l'ont mis pour cette année. On verra. Je sais que pour le 11, il n'y avait pas le maillot du Brésil, ce qui était une petite déception. Surprise. Ouais, une petite déception parce que le Brésil, c'est quand même le pays du football, quoi. Quand même, une grande nation au niveau foot. Parfait. Ah ouais. Kagawa, le japonais. David Silva, l'espagnol. Oh, superbe. J'arrive pas à la mettre bien sur le côté, moi. C'est un truc de ouf, quand même. Hein. T'arrives pas à quoi? La mettre bien, bien sur le côté. Ah, c'est pas compliqué, tu restes bien appuyé. En fonction... Voilà, ça, je vais l'expliquer aussi à tous tes internautes. Alors, si vous mettez pas beaucoup de puissance, il faut rester beaucoup appuyé sur le côté. Hmm. Si vous mettez beaucoup de puissance... Faut rester un peu appuyé. Attention, ça tire quand même là. Oh là là là. Ouais, à un moment ou l'autre, ça tire automatiquement. Voilà. Donc, et ça tire voilà, au milieu voilà, en plus. Là-dessus. Si tu mets beaucoup de puissance, faut pas rester beaucoup appuyé. Par contre, si tu voilà. Ah ouais, 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 c'est vrai. Je suis pas assez beaucoup appuyé, mais bon. Voilà. Si tu restes un tout petit peu plus appuyé, ça va bien la mettre sur le côté. Ah alors, c'est. On va faire un test là. Les penalties ils sont assez difficiles hein, à faire. Avec ma manette qui vibre, comme ça, j'ai la pression. Ouais, assez alors, réaliste. C'est parti. Hein. Ça a toujours son petit là, effet. J'ai grave appuyé sur le côté. Oh en dessous de là-bas. Ah non, moi je le laisse celle-là. Bon allez, on va essayer de marquer là. Si De Jong gratte, c'est fini. Et c'est fini. Non, non c'est non, pas fini. Il est sauté là quand même. Alors si, bien sûr, le numéro 22. 22 c'est qui déjà? C'est qui ça? C'est... Bender. Connais pas. Bender. Bender, connais allez, pas. Bender. Alors là, on va. Là, je vais te remontrer le contre-exemple, c'est-à-dire que je vais tirer tout doucement et je vais grave appuyer. Alors là, j'ai grave appuyé. Ouais. Mais je suis resté très très longtemps quand même. Mmh. Là, c'est bah fini. Là, on a pu voir le gardien qui a traversé le corps
du joueur déçu. Bon, c'est qu'une démo, on va pas en tenir compte. On va faire le dernier match, on va prendre les seuls clubs qu'on a. En fait, il y en a 6, c'est ça, hein? OM, Arsenal, ouais. Ouais, ah ouais, Arsenal, donc je vais te laisser prendre l'OM, parce que moi je suis pas trop Marseille, hein. Ah vas-y, ouais, tu me laisses prendre Marseille si tu veux. Après, on va s'arrêter là. En tout cas, moi ça me fait plaisir, hein, Moi aussi. cette petite vidéo. Ouais, moi je prends Marseille. Marseille qui est plutôt bien noté, hein, 4. Quand même 4 étoiles et demie hein, sur 5 hein. Tu joues en blanc? C'est Ouais, moi qui joue, on va jouer je comme ça. joue en bleu. Donc moi j'en profite que j'ai encore Fabregas Alors pour tous les et... Marseillais, Mandanda 84, Aloudia 80, Lucho Gonzalez 82, Valbuena Gibbs. 81, Rémi 82, Ayou 81. Oh, je vais mettre Gervinho. Voilà. Sur le banc, vous avez Gervinho. Edouard Cissé 74, Gignac 78, Armal Fitano 79. Nkoulou, Oh, je 74. mets Gervinho. Voilà, vous pouvez voir Y a qui aussi à les jeunes. gauche? C'est qui à gauche? Ah, c'est Rosé, Nasri. Duliveau, Mboum, Je mets Boum, Archavine. Soit. Coman, Mboy, Ellington, Andrade, Gadi, Omrani. Ouais, ça c'est des joueurs qui sont partis, ça. Skilacci, tu vois, regarde, ils ont mis les réservistes, c'est tous ceux qui sont partis. T'as vu, ils ont pas encore eu le temps de les enlever, mais ils ont mis dans les réserves. Ziki est parti? Non, ah bah non, Riziki est pas parti, non. Presque, bon, presque sur un joueur. Bon, on va pas se prendre la tête, on va y aller maintenant. Terminé. De toute façon, on joue pour le fun, hein. On joue pas vraiment pour perdre ou gagner. C'est vrai que moi et mon frère, on a plutôt un bon niveau tous les deux, donc c'est des matchs toujours assez serrés qu'on fait. Il y a des jours où c'est lui qui gagne, il y a des jours où c'est moi, donc voilà. Alors on On va couper la va vite, cinématique. voilà, on va vite On va vite y enchaîner aller. avec donc ce match Marseille-Arsenal. Avec donc ce Bah, premier Marseille duel. Arsenal qui sont dans le même groupe, hein. De Ligue des Champions, attention. Avec Chirou maintenant. T'as vu là, j'ai réussi à te passer devant. Tu sais comment j'ai fait? J'ai mis le stick droit. Le stick droit. Merde. Je voulais tacler là. Avec En tout cas, c'est un bon jeu, hein. C'est un très très bon jeu. Bah, c'est le meilleur jeu de foot sur PS3, hein. Après, je vais tester pour vous le comment ça s'appelle? Le PES. Alors, PES n'est pas mort, mais ils accusent beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Ah ouais. On verra, hein, Attends, on va attendre la deuxième démo, d'accord? Ça se trouve que la deuxième démo va nous donner beaucoup de satisfaction, mais bon. Bref, c'est vrai qu'il faut pas trop rêver, quoi. alors là, j'essaie de débrider mon jeu, et pour preuve que ça marche pas, la preuve. Moi, je trouve que les joueurs, ils sont lourds. Tu vois, regarde, par exemple, Van Persie, il a pas couru super vite, hein, ça m'énerve, ça. Même Messi, plusieurs fois, il part tout seul et je me fais rattraper facilement par les défenseurs. Ça, c'est Parce qu'il très faut relou, savoir ça. pousser son ballon. Peut-être, Il y a ouais. des gestes qu'il faut savoir faire hein, dans FIFA. Même moi, je trouve qu'avec Pato, par exemple, je profite pas assez de sa vitesse. Mais bon, faut savoir qu'aussi dans le foot, il n'y a pas que la vitesse. D'accord. Là, j'y arrive pas trop à me retourner. Si, peut-être avec cette frappe. La parade du gardien. Tout cas, j'aime bien les frappes, moi. Oh Avec les frappes, ils sont pas putain. mal. Oh, bien joué. Attention là, avec peut-être une occasion encore, mais non. Ça a été contré. Là t'as sorti les tactiques là. Oh putain. Tu vois, regarde, je voulais la passe à Fabregas dans l'axe, il la passe à Van Persie. Ça c'est énervant, ça, des fois dans FIFA. Ça c'est un petit peu énervant. Oh putain. Je me suis trompé de bouton là, je voulais faire un tacle debout. En tout cas, la modélisation des visages est vraiment parfaite, hein. Ils ont beaucoup travaillé dessus. Ils savaient très bien que sur ce point-là, ils avaient du retard par rapport à un PES qui était toujours aussi bon au niveau graphique. Ouais,
Ah, par contre, la touche pour presser à deux manque. Ouais, c'est vrai que moi, des fois, j'aime bien que l'ordinateur presse avec moi, mais bon. Bah, ça, c'est Moi, je suis terminé, plutôt hein. de presser à deux. C'est terminé, ça. Putain, j'ai raté mon tac. Chez haut. Avec Gara, la frappe. Dommage. C'était écrasé. Ah, apparemment, l'arbitre revient sur une faute que j'ai fait avec Welcher. Ça, c'est assez réaliste, hein. Regardez la faute, il nous la faut montrer, voilà, le tac par derrière. Effectivement. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est pas mal ça. Mais bon, ça c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, ce système-là existe. Hein. Voilà, là j'ai voulu faire le pressing, du coup il a taclé. Et là je vais me prendre une occasion, peut-être le premier but de la vidéo. Et le premier but voilà. Là. Je sais plus comment on fait pour faire les célébrations. Parce qu'on peut faire sa propre célébration hein, si on veut faire une célébration. J'ai oublié. Alors, je sais qu'on peut bouger avec les flèches, ça c'est sûr. Mais j'ai oublié. Donc 1-0. Moi je suis pas du genre à célébrer. Ouais, moi aussi. Mais bon. En ligne, c'est bien parce que tu peux mettre un chute. Tu vois, par exemple, chute comme ça, par exemple, par un mec pour le narguer là, pour l'énerver. Ça c'est pas mal ça. On va avoir le but. Ah, c'est la mi-temps. Van Persie, ça c'est la mi-temps. Ouais. Ça passe très très vite. Hein. Alors tu vois, j'essaie de débrider mon jeu pour apporter un peu plus de spectacle. Et je me mange des petites contre-attaques. Et Marzini aussi, il a une chaîne. Hein. Il a une chaîne sur YouTube. Bon, c'est des vidéos amateurs. Mais c'est une vidéo amateur qui lui a. Enfin, je sais pas. Et, raconte un peu ton anecdote par rapport au PC portable que t'as gagné. Ouais bah alors je mets des buts de filmer avec mon iPhone tout simplement et puis je reçois un email qui dit que j'ai gagné un ordinateur portable. J'ai rien compris. Donc en allant chercher les informations, c'est pas compliqué. Quelqu'un a volé ma vidéo sans mon compte YouTube. A donc participé à un concours de buts PES. Et donc mon but a été voté comme le deuxième plus beau but PES. Et t'as failli gagner un voyage à Barcelone le avec. Premier prix, c'était un week-end à Barcelone. Avec ticket de place pour un match. Oh putain. Pour un match. Oh, franchement, ça aurait été nickel, c'est un petit week-end avec un mon frère. Petit maillot magnifique, chromé. Ouais, c'est vrai qu'un PC, un PC tout neuf, PC portable tout neuf. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas parti, c'est même pas inscrit quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Franchement. Donc pour voir ce but, connectez-vous sur Dan Marzini. Là. Ouais, elle est sur ma chaîne, hein, donc je l'ai mis dans ma sub-box. Donc c'est Dan Marzini, hein, vous pouvez voir le but. Je crois que c'est avec Schweinsteiger, hein. Oh, pas mal la tête. Ouais, c'est avec Schweinsteiger hein, que le deuxième prix que tu as gagné. Hein. Voilà, c'était donc la vidéo, ce qui s'appelle plus beau but de PES 2010. Schweinsteiger, donc avec... c'était avec FIFA 2010, hein. FIFA 10 que tu as gagné. Non, c'était avec PES. Ah, PES 2011. Ah, moi je crois que c'était avec FIFA, moi. Non, c'est avec PES. D'accord, ah, ok. À cette époque, j'étais pas encore un mec qui jouait à FIFA. D'accord, ok. Donc voilà, un PC tout neuf. Tout neuf, que demande le peuple. Voilà, il va falloir que je marque très très vite. Sinon. Voilà. L'icône hein, en haut à droite, hein, c'était l'arbitre qui a laissé l'avantage. Mais l'avantage. Ouais. Ouais, qui a tué 4 pigeons. Effectivement. J'aime bien la posture des gardiens. Oh putain, je me suis trompé de bouton encore. Il a joué voilà ça. La superbe passe pour Valbuena. Attention, peut-être pour la dernière occasion avec le centre. Eh non. Alors, je m'excite un petit peu, c'est normal. J'ai essayé d'apporter quelque chose dans cette fin de match. Avec l'Olympique de Marseille. Qui pousse. En tout cas, c'est un excellent jeu. Hein. Ouais. Très, bon, très, hein. Bon, très très bonne démo. Et là, il y aura une dernière occasion pour moi maintenant. C'est vrai que le fait de rester appuyé sur rond derrière un joueur, ça a son avec effet. Ce centre peut-être. Attention oh avec l'Olympique de Marseille. Ouh, l'occasion de ouf. Ah ouais. Et voilà, petit suspense de ce c'est dommage. Match, de ce dernier match. Ouais. Donc, on va s'arrêter là, les amis.
pour ce petit pour cette vidéo de bonus hein. Donc tout ce qui est jeu de foot, bien sûr, faut jouer entre amis, c'est plus intéressant que jouer tout seul contre un ordinateur, contre l'IA. Donc là on revoit le but hein, devant Percy. Donc je vais vous laisser. Pensez à aller voir la chaîne de mon frère hein, Don de Marzini. Bon, c'est des vidéos amateurs, mais bon, c'est des beaux buts hein, qui filme tout seul avec son téléphone portable. Donc voilà. Donc je vous laisse. Dire au revoir, moi. Bah, salut à tous et à bientôt sur Don Marzini 93. Voilà. Donc c'était Letko. Je vous dis à la prochaine. Ciao.